Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 3. Et donc dans le dernier épisode, je vous avais laissé, on essayait de faire une autre section dans la forêt et ça avait un peu capoté, mais au final j'y suis arrivé, j'ai joué un petit peu dans mon coin, j'ai fait 2-3 petits trucs, je vais vous montrer, ça se passe plutôt bien, même si on a toujours un sacré problème démographique. Allez, sur ce, nous sommes partis. Donc voilà, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de protéger le... Non, je vais arrêter de chanter l'introduction de la Team Rocket. Donc, j'ai eu énormément de morts. J'ai eu même l'enseignant qui est mort. Du coup, en fait, j'ai 8 personnes qui étaient étudiantes, bah, qui sont passées directement adultes. Donc, ça a permis de remplir un petit peu les trous, mais c'est pas encore ça. On a quand même énormément de naissances, du coup, ce qui est bien. J'ai fini donc tout ce coin-là. Il y a des petits trucs qui me font chier, genre par exemple ça, le fait que... Ouais, du coup, en fait, il y a trop de maisons. Et il y a un peu trop de maisons, du coup en fait là par exemple, ouais, je suis pas sûr qu'ils puissent avoir des enfants, donc du coup c'est pas grave, mais là il y a un homme et une femme qui sont séparés, alors qu'ils... Non, ils exercent pas le même boulot. J'ai mis aussi un bûcheron ici, de manière à avoir encore un peu plus de combustible de chauffage, les herbes médicinales ça remonte, bref, ça va plutôt bien, on a énormément de nourriture, mais bon, c'est un peu de... c'est pas très grave. Ça va plutôt bien, le graphe commence à remonter, mais on voit que ça se casse un peu la gueule. C'est heureusement que je fais des trucs. Le tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de nomade. Et le tout, c'est d'arriver à essayer de choper ces histoires de... des histoires de graines pour avoir de nouvelles graines, tout ça, des trucs comme ça. Ça, il va falloir qu'on le fasse. Et en espérant que la transition démographique amorcée fonctionne bien. Ce qui est pour l'instant pas trop le cas. Bon. On a de la ressource, on devrait pouvoir faire quelque chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse... c'est qu'on fasse quoi? Une taverne? Où est-ce que je vais mettre la taverne? On est un peu à l'étroit ici, quand même. Hein. Taverne par ici? Allez, go pour une taverne. J'ai plus du tout de mineurs ni de tailleurs de pierre, donc c'est un peu chiant. Bon. C'est un peu chiant. J'ai regardé d'ailleurs, ici, il n'y avait rien de marqué concernant le... Le trading, s'il y avait quoi que ce soit qui faisait que je pouvais pas payer, mais enfin, il n'y avait rien. Ça me fait un peu chier. Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui bloque, mais je sais pas quoi du tout. Je vais mettre des manteaux au cas où. 60 manteaux de cuir, ça ira bien. De toute façon, j'en ai plein. Les outils, je vais peut-être augmenter un petit peu. Je vais monter à 100 les outils. Ok. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. On a des étudiants. Le tout, j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des naissances. Ce qui est pas franchement le cas. Bon. Accélérer un petit peu le temps. J'ai rien pour construire parce qu'il y a personne qui veut construire quoi que ce soit. Ça m'embête. Ah voilà. Bon, j'ai plus de magasinier, tant pis. On en mettra un plus tard. On voit que je perds quand même des récoltes, mais c'est parce qu'il n'y a plus de place dans les granges, tout ça. Sachant que normalement, on pourrait peut-être faire un effort et transvaser un petit peu ce qu'il y a. Ah oui, mais non. C'est vrai que je suis au maximum. On va passer à 8000. On va passer à 8000. Là, ce que je veux maintenant, des nouvelles naissances. Ils commencent à être vieux, les gens. Ils commencent à être carrément vieux. Là, on va devoir... Là, on a subi, en fait, tous les morts qu'on a ici. Ce sont ceux qui ont... Avec qui j'ai démarré, d'une manière générale. Ah, un marchand en comptoir de commerce. Graines de poivron. Ah, bah voilà. C'est parfait, tout ça. C'est 2500, quand même. Hein. On va peut-être mettre autre chose, du coup. Là on va mettre 500. Donc là on est à 1500. On pourrait mettre les poissons. On va acheter une graine de pomme de terre. Je pense que ça peut être worse. Et là si je mets quoi? Si je mets... C'est pas assez. C'est carrément pas assez. Allez go, on échange. Alors là on va changer. On va mettre les pommes de terre. Boum. Bon, c'est toujours pas ce qu'il nous faut exactement, mais bon, c'est déjà pas mal. On va pouvoir y placer du poisson. Oh, merde, j'ai plus de bois de chauffage. Ah, oh, la vache, la loose.
Bouge ton anus, toi. Ça va que j'ai des manteaux, mais tendu, quoi. C'est pas super. Bon, bah du coup, on a récupéré une graine, ce qui est plutôt bien. De toute façon, il reviendra, le trader. C'est pas un souci. He'll come back. Je suis curieux de voir. Ils ont... Ouais, ils ont de la nourriture, quand même. Ok, bon. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pas contrôlé ça. Le bois de chauffage, j'ai beau avoir augmenté la quantité de combustible nécessaire. Ça travaille pas assez, cette histoire. Ça, c'est un souci. C'est au niveau de la logistique. Je pense que je devrais avoir plus de travailleurs pour permettre de transvaser. Je sais pas si les travailleurs le font, d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. Savoir si les travailleurs permettent de transvaser des trucs... entre deux zones de stockage, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, parce qu'en fait tout mon bois est ici. J'ai encore perdu un fermier, super. Tout mon bois est ici, et là il me faudrait que je mette du bois de chauffage ici plutôt, hein. Je suis un peu bête. Enfin que le bois est là-bas. Fuck. Bon, bah du coup je vais laisser tourner un petit peu le jeu, et je vous retrouve une fois que j'ai fait quelque chose d'intéressant, ou que j'ai un peu plus d'étudiants. Pas de personnes de disponibles. Putain, j'ai plus d'enseignants. Bon, bah voilà. J'ai perdu un enseignant. Du coup, hop, tous les étudiants sont passés en adultes. Alors, toi, tu vas me construire. On a plus de fermiers. On va manquer de fermiers. Putain, j'y arrive vraiment pas. Hein. C'est genre, j'ai plus de morts que de vivants. Hein. Non, c'est pas exactement le cas. Mais quand même, 24 morts. Sachant que là, on est à. On doit être à. Ouais, on est à 40. Même pas à 45. On doit être à 44. Ouais, maintenant on est à 45. Bon, comment dire? C'est un petit peu short, cette histoire. Hop, un fermier en moins. Ouh! Ça part trop vite. J'ai l'impression qu'il dure 2 ans, les gens. Et j'ai jamais personne pour les remplacer, en plus. Hein, parce que j'ai jamais suffisamment de population. C'est un peu chiant. Oh, c'est sympa la taverne là aussi avec les chemins qui passent autour. C'est bien foutu cette histoire. C'est cool. C'est super cool. On va sans doute une des meilleures parties que j'ai jamais faites d'ailleurs. On commence à voir quelques petits trucs. C'est pas la partie la plus longue parce que j'en ai déjà fait des plus longues. Mais en termes de nombre de bâtiments que j'ai fait et tout, je suis plutôt content de moi là pour le coup. Plein d'enfants, on a 10 enfants. Un jour ils font quelque chose. Et là, du coup, je sais plus quoi faire. Si ce n'est faire tourner le jeu encore. J'ai encore un tailleur? Ouais, j'ai un tailleur. Ouais, mais j'ai plus de manteau de cuir. Ah, peut-être que je vais mettre un chasseur là-bas. Je vais mettre un chasseur. Une cabane de chasse. Ça peut être une bonne idée. Parce que non seulement ça ferait de la nourriture, mais en plus de ça, ça ferait peut-être de quoi mettre un tailleur. Ah, c'est pas si mal. Allez, 11 enfants. Ah là, on commence à faire quelque chose, on commence à avoir un petit retour en force. Pierre, pomme, prune, pêche, poire. C'est quoi, c'est des poires? Ah bah, elle est des poires. La bière de poire. Mais pour ça, il va falloir... Ah non, bah non, je vais laisser un producteur... Il va me falloir des adultes pour travailler à cette histoire. Merde. J'ai rien du tout disponible. Un brasseur. En plus, c'est un seul brasseur, donc ça va large. Et poire. J'ai pas de poire. 12 enfants. Allez! Je vais voir un petit peu. Ouais, on va en... Merde, encore fermier de mort. On va avoir quelque chose. Je pense que quand ils arriveront à maturité, là, on va pouvoir avoir une grande augmentation de la courbe. On a failli toper les 60. On devait être à 50. Là, on y est beaucoup moins, mais ça va remonter. C'est important, hein, cette partie-là. C'est clairement important. On est un peu moins instruit que d'habitude, parce que forcément, j'en ai plein à chaque fois
L'enseignant est acclamé avant. C'est un peu dommage. En termes de production de nourriture, on est large. Consommé à l'année, à 6 000. Nickel. On est un petit peu en surplus, donc on est bien. On est particulièrement bien. Par contre, consommé et produit, on n'est pas du tout bien. En combustible. Après, pour le reste, ça a l'air d'aller. On a l'air de se débrouiller un petit peu. Bon, bah du coup, je vais laisser tourner un petit peu le jeu en attendant qu'il y ait des choses qui se fassent. Bon, alors, eh ben, j'ai vraiment longtemps tourné le jeu, je pense facile une bonne dizaine de minutes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont nés, c'est un truc de malade, je vais vous montrer un petit peu le graphique. Hop, voilà, donc ça, c'est les nombres d'enfants et étudiants. Vous voyez, ça augmente, ça ne fait qu'augmenter. De temps en temps, on a un étudiant qui arrive à devenir un adulte, mais il s'est fait rapidement remplacer parce qu'il y a encore des morts de vieillesse. Les premières tombes commencent à disparaître, mais il reste, voilà, encore âgé 82 ans, ben voilà. On a encore quelques vieux qui doivent clamser. Du coup, même si on a énormément d'enfants, ce qui est une très bonne nouvelle, on a encore un petit peu de mal. Il y a encore 2-3 trucs à régler avant que la transition soit vraiment effectuée et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et on devra évidemment refaire ça dans quelques années, donc genre 3-4 ans, histoire que, enfin, les vieux de maintenant clament ceci. Ça va être un petit peu compliqué. Les cueilleurs sont tous en train de disparaître les uns après les autres. Les autres. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que peut-être que j'avais trop blindé au niveau de la nourriture. Bon, c'est bien d'avoir de la nourriture d'avance, bien sûr. Mais genre 6 pêcheurs, ça suffit largement parce qu'au niveau des stocks, comment dire, 2500 de poissons, c'est large. Sachant qu'on est censé en avoir ici, mais j'ai pas encore eu le temps de remettre un magasinier. Cueilleur, je vais peut-être le mettre à 3. J'ai fait un autre truc de chasseur, je pense que je vais le mettre à 5. Même si ça a l'air d'aller. Je sais pas, peut-être le laisser à 4, c'est pas mal. Herboriste, ça a l'air d'aller aussi. Je pense qu'on est plutôt bien, mais j'aimerais bien remonter un petit peu les mineurs et tailleurs de pierre parce que actuellement ça pue un peu la daube. Et si je veux faire de nouveaux trucs, comme je sais pas, traverser une montagne, bon, celle-là c'est peut-être pas la plus horse parce qu'il n'y a pas vraiment un super endroit. Tiens, on a un travailleur. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre à 300. Ah, un deuxième travailleur, cool. Peut-être le mettre sur un fermier parce que 5 c'est pas énorme. Mais en même temps, j'ai trop de nourriture. Peut-être ce qu'il faudrait c'est que j'accède à une partie comme ici et que là je fasse autre chose, je sais pas, ou que je finisse de développer là-haut, même si j'ai un peu tout fini en fait. Oh la vache, tellement d'enfants, tellement de nouveaux arrivants. Je sais pas trop, là ça produit gentiment de l'alcool de temps en temps, mais c'est vite récupéré, j'ai l'impression qu'ils adorent l'alcool. En tout cas, j'ai pas trop où c'est foutu, mais j'ai l'impression que c'est vite rebouffé. Hop, on a un herboriste en moins. Bon, ça va. Au niveau de la transition démographique, on est plutôt bon. J'arrive à rien rentrer au niveau des... Ici, ouais, non, ça passe. Je veux dire, en fait, je suis régulièrement à la limite maximum de nourriture. Du coup, je suis un petit peu tranquille. Et comme c'est environ 100-120 de bouffe par personne par an, je suis large. Je suis pas encore à 60. Je dois être un peu large. Bon, voilà, j'ai remplacé le brasseur. Voilà, vous voyez, on a nos travailleurs qui arrivent. Mais juste le moment où je vais pour le rajouter à quelque chose, il est remplacé pour. Enfin, il remplace un chasseur, quoi. Donc, c'est pour vous dire, je suis un petit peu dans la caca à ce niveau-là, c'est que je peux pas faire grand-chose, j'ai pas assez de main-d'œuvre de libre. Peut-être que je devrais. Encore augmenter ma... Ouais, mais non. Augmenter encore le nombre de maisons? Je suis pas sûr, hein, parce que là, on voit que c'est des familles complètes et que j'ai des maisons. Là, lui, il va clamser. J'ai plus de bûcherons, par contre, bientôt. Merde. Je vais mettre 2 bûcherons, parce que sinon, on n'aura jamais assez de bois de chauffage. Ok, lui, il va bientôt clamser, par exemple. Bûcheron étudiant, ouais. Lui, il va bientôt clamser, ça va libérer la maison. Il y en a plein des comme ça. Bon, là, je suis en train de me faire mentir, mais voilà. 52 enseignants, 52 bûcherons. Il y en a beaucoup qui sont tout seuls.
C'est pas mal des hommes d'ailleurs. Attendez. Ah oui, ça doit être de la même famille. J'ai l'impression qu'il y a aussi un truc à propos des familles. Et que ça gère. Enfin, que ça gère aussi là, éviter la consanguinité. Je suis pas sûr, mais je crois que ça gère aussi. Parce que là, sinon, m'excusez. D'ailleurs, c'est des chasseurs. Qu'est-ce qui branle là? C'est pas du tout au bon endroit. Ouais, mais c'est parce que ici. Un brasseur. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu pourri cette histoire. C'est un petit peu pourri parce qu'il y a, à cause des changements de famille, des changements de position, tout n'est pas encore en ordre. Et il y en a des vieux, on a des sacrés vieux. Donc voilà, je vais continuer de faire tourner le jeu. On va voir si je commence à avoir un petit peu plus de main-d'œuvre. Et là, plus ça va, moins j'ai de possibilités là. On était à 30, on était à 40 il y a pas longtemps, 40 adultes. Là, je suis plus qu'à 28. C'est débile. Enfin bref, bon, je vais regarder un petit peu comment ça se passe et on va bien voir. Bon, alors, j'ai 4 travailleurs, il y a pas mal de choses qui se sont passées, en gros, il y a eu des morts, évidemment, hein. Et ils ont été remplacés la plupart du temps. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe. On peut augmenter un petit peu mes forestiers quand même. Et mon herboriste. Fermier, je le passe à 4, ouais, mais ça me semble bon. Donc là, on est plutôt pas mal, on a encore 8 étudiants qui vont bientôt arriver, ben, bientôt, ça dépend desquels. Ouais. Pour l'instant, c'est tout blanc. Je préfère quand c'est tout blanc. Voilà. Hop, ça augmente. Tiens, je voulais juste. Ah, regardez ce qui se passe sur 10 ans. Oui! On remonte carrément. On commence à sortir la tête de l'eau. C'est très très bien. En termes d'instruction, oui, par contre, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça passe. Bon! On va pouvoir commencer à refaire des trucs. Déjà, on va mettre un tailleur de pierre supplémentaire. Parce que, hein, YOLO. Putain, il semblerait qu'on ait plus assez de bûcherons parce que le bois il part à une vitesse. Voilà, donc on a un nouveau travailleur, on est bon. Peut-être un coupeur de bois du coup ici. Récolte. Non, mais non, pas récolte. C'est où? Hutte du forestier. Voilà. Un incendie s'est déclaré comme ça. Ouh. Ce bâtiment a été sérieusement endommagé durant la catastrophe. D'accord, donc là on a des homeless. Évidemment en hiver, crevez pas. Je sais pas du tout comment les gérer pour le coup. Il faut que je fasse une nouvelle maison. On peut faire une nouvelle maison. D'ailleurs, ça m'arrange parce que du coup, c'était sans doute un des pires endroits possibles pour faire une maison. Hop, un constructeur, s'il vous plaît. Faites ça vite. D'accord, ça met à vitesse en fois 1 quand il y a une catastrophe. Et j'ai rien du tout pour les gérer. Donc là, ils tournent autour de la maison. Je vais le démolir, tant pis. De toute façon, elle était pas du tout bien placée. Ça m'arrange en réalité. Et puis, ça s'est pas propagé à trop d'endroits. Ça m'était jamais arrivé, ça, tiens. Alors, les comptoirs de commerce, j'ai regardé en fait ce qui se passe. Oh, voilà. Cool, un travailleur en plus. Hop, on va mettre un magasinier, comme ça, il va ranger des trucs. Ce qui se passe, les comptoirs de commerce, c'est que les marchands qui arrivent, ils acceptent plus ou moins des trucs. Et en l'occurrence, j'ai eu de la chance parce qu'ils acceptaient énormément de choses de ce que je vendais. Mais ça dépend de la personne en fait. Ça dépend totalement du marchand qui arrive. Voilà, c'est tout. Faudrait qu'il me fasse ça. Il est où mon travail? Travaille plus vite. D'accord, il commence par ça. Ça c'est bon. Si tu vas faire ça. Par contre, c'est pas à côté. On va le suivre un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui devrait se passer. Je regardais un petit peu son trajet. Donc là, forcément. Ah ouais, il va chercher le bois à l'autre bout. Hein. Heureusement que je vais faire un woodcutter là-haut. Enfin, un woodcutter. Hein. Un truc pour aller chercher du bois. Là... Pour aller récolter du bois là-haut. Parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. Carrément jusque là-haut. Enfin, jusqu'en bas. Tu m'étonnes que j'arrive pas à faire du bois de chauffage. Ouais, d'accord. Ah, on a plus de forgerons. Et merde. Bon, bah voilà, un nouveau forgeron. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Bon. Après, en termes de bouffe, ça a l'air d'aller.
On a des enfants, on a plein de trucs. La venaison, elle est là. On a des patates? Est-ce qu'on a des patates? Dis-moi qu'on a des patates. On a des patates. On va mettre 500 patates. Je sais pas trop combien ça fait. Ok. Donc là, on a un nouveau travailleur. On va le laisser là en attendant que ça. Ouais, non. On va le mettre en bâtisseur, je pense. On va avoir besoin de ça. Là, ça va aller un peu plus vite. Il faudrait qu'ils finissent cette maison. Ah, ils ont réussi à se recaser quelque part, on dirait. Bon, bah voilà, on va faire une maison en plus. Parce que je préfère avoir un compte de maison comme ce que j'avais avant. Ok, la hutte du forestier, c'est bon. Maintenant, faut qu'il fasse ça. Putain, plus de fermier. Bon. Maintenant. Alors. C'est marrant que l'instruction, elle augmente pas tant que ça. Mais bon, j'ai plein de gamins. On est bon, là ça va construire ça. Ensuite, je vais dispatcher un petit peu le dernier bâtisseur. Et je pense qu'on arrêtera là. Je pense que la transition démographique, elle est effectuée dans cet épisode. On va en voir encore un ou deux morts, mais pas plus que ça. Je pense que ça devrait aller. On a énormément de naissances, on a énormément d'étudiants. Là, je pense qu'on est plutôt bien. Là, je pense qu'on est clairement bien. Reste que je vais faire tourner un petit peu le jeu dans mon coin et je vous retrouve une fois que j'ai pas mal de main-d'œuvre de disponible, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Chasseur-pêcheur, ouais, c'est pas worse. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On peut planter. C'est pas forcément le meilleur endroit, mais c'est pas grave. Ouais, je vais faire un truc comme ça ira bien. Ça me permettra de voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire pour la suite. On va du coup s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en avez pensé, etc. La petite chanson habituelle. Et quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.